Eh bien, salut à tous, ici Mister Zigoton. On se retrouve pour un épisode 4, je crois, sur Europa Universalis 4 avec la Castille. Donc, déjà, première chose à faire dans cet épisode, c'est essayer de rattraper notre retard technologique en général, parce que j'allais dire administrative, mais en fait, non, on est en retard dans toutes les technologies. On va essayer de rattraper ce retard. Voilà, on a plus de trucs. Ensuite, on gagne légèrement de moins en moins de sous. On a 1% d'inflation. Ça va durer 15 minutes par contre, comme l'épisode de Prison Architect. Ensuite, voilà, donc on a juste à rattraper notre retard. Qui est quand même, ma foi, assez important. Hein. Mais on devrait le rattraper assez vite, surtout dans... J'espère, surtout. On a plus 1. On a une modification de l'impôt de 10%. Par contre, il va falloir faire gaffe. Je vois que on a un risque de soulèvement à Grenade. Et que notre armée, elle est... elle est légèrement... faible, quoi. À ce moment-là, on va essayer de continuer, quoi. Bon, on continue. On a un retard diplomatique, mais c'est surtout l'administratif, car il nous faudra un monsieur pour ça. En sachant qu'à mon avis, le Portugal est très avancé, donc au niveau de la conquête, quoi qu'on est on a que passé une dizaine d'années, je crois, parce que je sais plus en quelle année ça commence, 1440, je crois. Donc ouais, on a passé quoi, 17 ans, donc il est peut-être pas si avancé que ça dans la colonisation du Brésil et tout. Il suffit juste à rattraper notre retard au niveau administratif pour pouvoir voir bien... Ah, alors... On va regarder si ça se passe bien. D'accord, ça s'est bien passé globalement. Puis on va retourner à Adelaide. Et là, et lui là. Donc on va faire ça pour éviter de trop payer. Et lui, on peut pas. Par contre, du coup, pour éviter de trop payer, comme j'ai dit, on va réduire la maintenance de l'armée. Voilà. Ça devrait aller. Pour l'instant, on n'a que 3 minutes de vidéo, donc voilà. Il nous faut vraiment rattraper notre petit retard diplomatique, hein. Technologique. Oh là là, j'y arriverai pas. Pique normalisé, outil primitif, tout ça. On va en avoir besoin. Surtout pour la construction et tout. Ça va nous permettre d'avoir mieux, plus de trucs, quoi. Alors, on va pouvoir construire des églises. Ça va nous augmenter les impôts. Ce qui sera très utile.
Ensuite, on voit certainement déverrouiller les outils financiers primitifs. Donc, on aura moins de... Ah non, on aura plus de maintenance navale, plus d'efficacité commerciale et plus de portée commerciale. Et ensuite, on va prendre certainement les galoglés. Et on aura plus de socles de l'infanterie. On aura plus de ravitaillement, une meilleure largeur de front et un meilleur socle de l'infanterie et de la cavalerie. Donc voilà. Et par contre, je vais jeter vite Jeff. Ouais. On va regarder la carte des technologies. Ouais, en fait, on n'est pas si à la traîne que ça, quoi. La France, elle est en dessous de nous. Eux, ils sont en 4-4-4. Nous, on est en 4-4-4. Eux, ils sont en 4-4-4. Et la France, elle doit être en certainement 4... Ouais, 3-3-4. Et l'Angleterre, elle est en 3-4-4. Reconnaissons la vérité. Nions catégorique. Alors, partout, on perd la légitimité. Il semble avoir un. Donc, là, on va nier quand même. Et on va construire je ne sais pas quoi. On va regarder si dans le commerce il y a quelque chose d'intéressant. Ouais, il y a Cantabride. Donc, on va garder pour l'instant le commerce. Et voilà. Alors là, on a une cog. Et là, on a encore une cog. Et on va faire une grande flotte de transport de 15, donc on va pouvoir tout transporter, autant le dire. Donc voilà, on n'a que des cogs ici. Ensuite, niveau construction, juste pour regarder, nos vaisseaux, on est à fond. Notre infanterie, on est à fond. La légitimation, on est à fond. On pourrait payer plus par mois, genre. Pour regarder combien ça nous. Ouais, il y en a un qu'on pourrait faire. En attendant, c'est lui. Gibraltar. On va convertir Gibraltar, donc. On va mettre une unité dessus pour éviter qu'il y ait des rébellions de fanatiques. Lui là ici, on va peut-être faire ça. Pour essayer de regagner de l'argent. Et lui ici, on va faire pareil. Non, pour regagner de l'argent, pas pour éviter de gagner de l'argent. Hein, parce que juste, ce serait con de vouloir ne pas gagner de l'argent. Ensuite, on va peut-être... Non, on va pas monter l'armée. On va prier pour que on tombe pas dans le rouge. Et on va aussi prier pour pas qu'il y ait une guerre qui se déclare. Et oui, on est en train de constituer un réseau d'espionnage sur lui. Et lui, on va fabriquer une revendication sur... non, pas Melilla, sur Tétouan. Ensuite sur Melilla. Et ensuite on fera sur Salé. Alors on perd de l'argent. On va continuer comme ça. Alors là, on gagne plus 1 par tour. Et on a légèrement... on va bientôt rattraper le retard diplomatique. Ouais, non, on va pas donner d'accès militaire à la France. Pas pour l'instant. On n'a pas envie. On va juste attendre. De pouvoir former, de pouvoir rattraper notre retard.
Et dès qu'on aura rattrapé notre retard, et ben on fera autre chose. Donc cet épisode-là, certainement, il va être consacré essentiellement à vouloir rattraper notre retard technologique. Et l'institution qui fait bien mal quand même. On a une pénalité de 8%. Et on a un bonus par contre de 5%. Donc en gros, on a un bonus de un malus de 3%. Les pics normalisés, ils vont être utiles. Il y a le Maroc quand même, il est encore tenace à l'heure, mais il va être moins vu qu'il a plus le super fort qui empêche tout. Ah, on n'y arrivera plus à faire ça. Donc c'est pas grave, on va rappeler le. On va le rappeler. Et on va attendre hein, avec lui. Il nous servira à déclarer une guerre quand on pourra. Ouais, on a perdu notre commandant. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Ça nous fait gagner plus de thunes. Donc on va pas cracher dessus, quoi. Alors, gain de 1 de stab. Ça va être utile. Gain de 25 de prestige et gain de 10 en tradition terrestre. Oh, c'est bon ça. On va faire comme ça. C'est bon la tradition terrestre. Franchement, quand on va regarder notre armée militaire, 20 de tradition terrestre, 22,6 hein, ouais. 16,5 en maritime quoi. Ça nous fera des meilleurs généraux. On a un meilleur moral du coup. Déclin. On a un déclin bien sûr puisqu'on n'est pas en guerre. On perd à peu près un par an. Ouais. Bon. On va continuer pour l'instant hein, à vouloir rattraper notre retard administrative, bah technologique, je vais pas y arriver. Même si l'administrative va être utile. Donc là on va pouvoir certainement terminer d'abord sur. Alors, modification de la stabilité, influence annuelle, le roi annule. Voilà, on va gagner du prestige. Et on va juste attendre d'avoir la technologie diplomatique et la technologie militaire pour ensuite arrêter l'épisode. Et voilà. Donc là, on pourra peut-être, ça nous fera un meilleur revenu ou je sais pas quoi, hein. Et dès qu'on a ça, on fait pause et on déclarera la guerre pour le prochain épisode au Maroc. Ce qui sera assez utile, hein. Voilà. Donc on met en pause. On change l'infanterie par des galogués. Et là, on reste en choc offensif. Je vais juste regarder moral offensif. Portée débordement. Ouais, non, on va garder les chevaliers ici. Hein. Sont plutôt sympas, donc voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à ce sujet, un petit like et à partager, surtout à partager parce que ça va attirer plus de gens, donc voilà, hein. Et bah, je vous dis merci d'avoir regardé et bonne fin de journée.